Salut à tous, c'est une petite annonce pour vous dire que c'est une petite vidéo sur Thief Simulator. Voilà. C'est déplacé au fond vert juste pour tourner ça. J'espère qu'elle sera bien la vidéo. Voilà, alors notre mission, c'est de péter une télé au 108. Parce que ces enculés... Je sais pas pourquoi on fait ça. Alors comment je peux rentrer là-dedans? Mais oui, mais ils ont fermé les volets! Et je sais pas les ouvrir. C'est 21h du soir, et les mecs ils sont à la fenêtre en mode « J'espère qu'il n'y a pas un cambrioleur par ici !» Ils sont stressés du cul, mais toute leur vie quoi. Regardez, je me mets là. Là, je ne suis pas dans leur propriété. Techniquement, c'est pas moi. Bonjour, c'est pas moi. Ah, attends. Ouh, cette astuce de ouf. Si je l'ai fait... Non, ils ont fermé derrière eux. Je peux pas les assommer, tout simplement? Attends. Non, je peux pas. Il m'a pas vu. Je vais essayer de mettre le pied dans la porte. C'est la pire astuce. Oui, je peux... Ah, mais il y a une fenêtre ouverte. Ah, attends, je peux grimper. Oui, je peux grimper. Je suis un escaladeur. Allez, c'est bon. C'est bon. Hop. Discret comme une ombre. Hop. Oh, on se calme. Non, c'est pas par là. On se calme. Cache-toi dans une poubelle. Cache-toi. Ah, quelque part. Voilà, là, c'est bien. Allez, cache-toi. Il m'a fait peur, ce con. Je suis pas là. Est-ce que je peux sortir? Non, je peux pas. J'ai pas envie de sortir. Non, je suis pas là. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà. Et du coup, on y retourne. Ah, ils sont recouchés, l'air de rien. Allez. Oups. C'est bon, tout va bien. Discret comme une ombre. Le réveil. Il faudrait que je puisse passer dans la truc à côté. Et si je pétais la porte? Non, ça va, je fais pas de bruit quand je pète des portes. Ils sont en train de baiser? Mais dis donc, mais qu'est-ce qu'il lui fait? Elle est en train de lui sucer le téton! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends, fenêtre bloquée. Et si je cassais... Si je faisais ça? Voilà. Je suis pas là. Ça va prendre 4 ou 5 essais, mais on va bien finir par réussir, quoi. Est-ce que j'ai rêvé ou la voiture de police vient de passer dans l'allée piétonne, là? Complètement illégal, monsieur. Et on y retourne. Alors, attends, là, j'ai pété la porte. Donc, oui, voilà. Ouf, ça va être compliqué d'y aller. Attends, je vais ranger ça. Yop! Ah, parfait. Allez, hop, la grosse télé. Voilà, la grosse télé. Comment on jette? Ah! Bon, pas grave, ça marche encore. On dit elle est d'occasion. Parfait, regarde. Ah, je peux voler les jouets! Ah, je peux voler les grosses enceintes. Voilà. Allez, c'est le déménagement des gitans. Hop. Intrusion, comment ça, intrusion? Ah, la vache, mais non. Allez, retour dans la poubelle. Décidément, cette poubelle me trouble. Il y a peut-être quelque chose, c'est peut-être toutes ces traces de pas au pied, va savoir. Je pense que je peux récupérer cette télé qui traîne négligemment au sol maintenant. Bonjour. Non, c'est pas votre télé que je ramasse dans votre jardin. Rien à voir. Elle est trouvée par terre, elle est à moi. Voilà. Hop. Voilà. Parfait. En plus, c'est un gros écran plat, la vache. Bonjour, tout va bien. Hop, excusez-moi, c'est de nouveau moi. Je sais que je traîne devant chez vous depuis 2 jours, mais je ne suis pas un cambrioleur. Allez, et ensuite, on prend l'enceinte. Et voilà, c'est bon, tout va bien.
Parfait. Allez hop. On boucle. On démarre. Et on se casse. C'est vrai que se faire repérer trois fois par la police, c'est pas forcément... Mais ça marche. Ça marche. Voilà. Je vends ça. Oh, nice. Ah non, merde, j'aurais pas dû. Attends, mais où elle est la télé? Je devais la casser d'abord et je l'ai vendue. Ah, je suis con. Bon, tant pis. Bon, ben, c'est parti, on va revoiler des trucs. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au 108. Parce que de toute façon, voilà. Hein. De toute façon, la porte est ouverte, donc on va pas s'emmerder. Voilà, hop. On monte. Oh, mais non, je fais rien d'illégal. Qu'est-ce qui... Je devrais faire des bois... Je sais pas que le mec il passe. Allez. Hop. Voilà, je vais... Ah, la map monte, c'est pas mal. Là, il y a de l'argent. Une bouteille 10 expériences, expérience en radio réveil, on s'en fout. Une tirelire, pourquoi pas. Un pendule, allez, vas-y. Non, là, il n'y a rien. De toute façon, il est tout seul, là. Ah, c'est vrai, là, je suis obligé de passer par l'extérieur. Ah, ils ont encore cassé les trucs, ils ont encore... Bon, écoute. Voilà. Est-ce que ça tourne au harcèlement au bout d'un moment? Les mecs, ils doivent craquer mentalement. Là, on a un ennemi. Il veut nous tuer. Ah, attends, parce que là, il y avait peut-être... Ah ben oui, il y avait une autre enceinte. Évidemment. Puis il y a ça aussi. Il y a télécommande. Équipement complet. Ah ben voilà. Hop, là, je prends l'enceinte qui traîne ici. Hop, je jette ça par la fenêtre, voilà. Allez, on y va. Ah! Mais quoi? Je fais que passer, arrête. Voilà, hop, on embarque ça. Ça, par contre, c'est vrai que c'est un peu facile. Les mecs pourraient au moins venir récupérer ce que t'as volé dans leur jardin. C'est la moindre des choses. Allez, une petite dernière avant de partir, là. C'est marrant quand même. Un petit harcèlement. Déposer une tête de cheval mort devant chez eux. Miaou. Miaou. Ah putain, il y a un coffre. Craque le code. Ce serait tellement plus simple de faire un braquage avec violence et de simplement laisser. Ah vraiment. Ah, un vase. Les cadeaux. On vole les cadeaux. Les cadeaux des enfants. Allez, qu'est-ce qui reste en bas? Il va bien rester des petits trucs, là. Allez, un vase. Des écouteurs. Ah, merde, je suis complet. Une imprimante? Ah, je peux peut-être ouvrir ça, là, voilà. Comment on ouvre? Comment on monte vos volets? C'est pas automatique. Il va y avoir un truc, là, quand même. Comment on ouvre? Attends, c'est là. Voilà, parfait. Vous avez été entendu par un locataire, t'es tout le monde m'a entendu. Quoi, comment ça? Je fais partie du SAV. C'est pas... Oh, va te faire foutre. Salut, John. Ah oh, ben moi, je fais ma petite routine, comme d'habitude. Tranquille, et toi? Plus qu'à ramasser l'imprimante qui traîne négligemment au sol. Et voilà. Putain, ça, c'est de la méga imprimante, en plus. Allez. C'est par terre, c'est à moi. Je fais rien de louche. Non, je fais rien de louche. C'est rien du tout. Regardez, hop. Je fais des genuflexions. Non, je suis pas accroupi dans un endroit bizarre. Et je fais rien de louche. Hop, genuflexion. On monte, on lève, on monte. Allez, voilà. Bon. Bah écoutez, je vais la mettre dans ce buisson. Voilà. Et je reviendrai la chercher plus tard avec une plus grosse voiture. On va aller au prêteur sur gage. Et du coup, je peux prendre estimation niveau 2 qui va me faire avancer
le mode histoire, c'est parfait. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Vol des bijoux au 107. J'espère que rien n'arrivera aux bijoux dans leur chambre. Eh, écoutez, voilà, hop, on arrête là, on a fini cette mission. Du coup, je sais pas si je continuerai. C'est le genre de jeu que je fais quand j'ai rien d'autre à foutre ou que je vous mets un épisode de pif de temps en temps. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur le bazar du grenier. Salut à tous, ciao, ciao, à la prochaine, bisous, ciao, salut, à la prochaine, ciao, bisous.